Malgré un fort potentiel économique et un sous-sol riche, la Guinée est toujours classée comme étant un PMA, pays moins avancé. Selon le rapport réalisé par l'UNICEF sur la situation des enfants des rues en Guinée, 60% des enfants vivent en situation d'extrême pauvreté, ce qui représente près de 5 746 000 enfants. Aujourd'hui, la mendicité infantile et l'exploitation des enfants est banalisée à Conakry. Nous qui avons la chance de nous vêtir, de nous nourrir, d'être scolarisés, comprenons la chance que nous avons, car eux ne l'ont pas. Et ensemble, soutenons les enfants de Conakry pour leur assurer un avenir meilleur. Les enfants sont l'avenir d'une nation. Disons ensemble non à l'exploitation des enfants dans les rues. Disons non à la mendicité infantile. Bonjour à tous, je m'appelle Mariama Daf, j'ai 24 ans, je suis étudiante en économie à l'Université de Reims. J'ai été élue Miss Guinée-France 2017 en novembre dernier. Étant attachée à mon pays, j'ai toujours eu l'envie et l'ambition de contribuer au développement socio-économique de la Guinée. Pour ma part, la situation des enfants de Conakry devient très inquiétante. C'est pour cette raison que j'ai décidé de consacrer ma couronne au service des enfants de la rue. Avec l'Association des jeunes guinéens de France, grâce à qui aujourd'hui je suis la représentante de la beauté guinéenne en France, je me suis battue pour élaborer un projet et trouver des partenaires dans le but de soutenir et aider les enfants de mon pays. Et c'est dans cette optique qu'on a jugé nécessaire de collaborer avec Citoyens des rues internationales qui militent et agissent pour la réinsertion des enfants dans le monde, notamment en Guinée. Ah, Kelly, I can you, young boy, I'm on you. Ah, Kelly, I can you.